Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur NBA 2K 21 pour la suite de l'histoire, du prologue dans ce jeu. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était après nos premiers matchs à l'université, et donc là aujourd'hui on va continuer, car ce n'est pas fini, il faut qu'on fasse d'autres matchs d'université afin de débloquer le maximum d'équipes NBA pour être bien drafté à la fin de ce prologue. Ou du moins avoir le choix plutôt de l'équipe parmi une grande liste. Ok, donc c'est parti, on va jouer notre premier match de la journée et ce sera contre l'équipe de l'université des Red Raiders. Et on est sur notre parquet évidemment pour ce premier match. Yeah, c'est parti, on demande un écran, on va essayer de faire une première bonne attaque et on va obtenir direct une faute, faute de Nelly, de lancer franc pour commencer ce match. Ouais, le premier qui est parfait. Et le deuxième aussi, impeccable. Et ça joue avec Nelly pour les Red Raiders. Nelly qui dribble. Et il essaye de passer Harvey. Six on the shot clock. Ça va devoir shooter. Et c'est manqué. Et le rebond de Thompson. Qui lance la contre-attaque. Qui tente un 3 points. C'est manqué. On prend le rebond offensif. On ressort sur Lambert. Lambert qui nous la redonne. On va demander l'écran de Lambert pour attaquer le panier. La passe à Lambert. Yes, première passe décisive. Ah, il faut qu'on fasse un meilleur match que lors de la dernière vidéo. Pour qu'on débloque évidemment plus d'équipes NBA. Ah, le 3 points que j'ai laissé tout seul et le deuxième rebond. Ça passe à l'intérieur. On va pouvoir attaquer le panier, on va tenter. Et ah, c'est manqué, j'y arrive toujours pas ce truc là. Ah, il y va, c'est encore manqué, on prend notre troisième rebond, ça c'est bon. Et on trouve Thompson, catch and shoot à 3 points, magnifique, deuxième passe décisif. Ah, c'est vraiment bien parti dans ce match, pour l'instant on mène 7-0. Encore un 3 points de manqué de leur part, le rebond de Lambert qui joue direct avec Thompson. On va essayer d'aller à l'intérieur et on s'est fait bloquer. Hop, demande d'écran comme d'habitude, on va y aller à l'arrache et c'est manqué, on a forcé. One of the big strengths of this Michigan State team is their coaching staff. They've been around for a long time and are still as sharp as ever. Ça temporise pour les Red Raiders. Ça joue avec Butler et l'interception. Et on se passe direct à Thompson qui va pouvoir attaquer le panier. Qui va dunker. Troisième passe décisive. C'est bon ça. Et le temps mort demandé par le coach des Red Raiders à 7-0-7 de la fin du premier quart-temps. On mène 9-0 pour l'instant. Allez, c'est reparti. Tout de suite sur Livingston. Et le contre sur Livingston. Le premier contre de ce match. Quelques petits changements.
Ah, pour l'instant, on fait un bon match là. On est bien dedans. Pass à Livingston. Livingston encore. Livingston qui dribble. Ah, ça a failli. Livingston toujours. Qui passe à Montgomery. Livingston. Livingston qui va devoir shooter. C'est manqué. Ça nous permet de prendre un quatrième rebond. Et ça nous permet de lancer la contre-attaque. Et on va pouvoir y aller tout seul. Nickel. Et ça fait 11-0 pour le moment. Touche pas une bille les adversaires. Ouais, l'interception de Thompson, bien joué. Qui va nous la donner. On va pouvoir y aller. Nickel. Et on va avoir le takeover. Ah, on est en train de les écraser les adversaires là, au début de premier carton. Ça, ils attaquent. C'est encore manqué pour eux. Nouveau rebond. Cinquième rebond déjà. La passe pour Bush qui nous la redonne. On va pouvoir attaquer le panier à nouveau. Impeccable. Deux points de plus au compteur. Le nouveau temps mort demandé par le coach des Red Riders. Ah, on est en train de les malmener, mais correctement. À 5:45 de la fin du premier quart, on mène 15-0. Pour l'instant, on a marqué 8 points, pris 5 rebonds, fait 3 passes décisives, 1 contre, 1 interception. Ah, pour l'instant, on fait un très bon match. Evans. Here's Nixon. Il y a Nixon qui lui redonne en niveau Evans. Evans outside. Ouais, la passe elle est magnifique. La passe à l'hoop avec la petite claquette de l'adversaire. Et les Red Riders qui marquent leurs deux premiers points dans ce match. La passe intérieure, un en dessous du panier, c'est manqué. La contre-attaque de Livingston avec Evans. Et on va faire notre première faute. Ça on va sur Nixon. Qui joue avec Nixon que j'ai laissé tout seul à 3 points. C'est mon pied, le rebond de Bush. Qui joue avec Weber. Weber. La passe. Ah, dommage. La passe en alley-oop que j'ai pas pu réceptionner. Ah, des changements dans les deux équipes. Et ça rejoue avec Livingston, Evans. Pass to Barry. Barry Evans. Ça fait tourner Nixon. Here's Nixon. Et l'interception sur Nixon. Et on va passer à Mills. Mills qui tente. C'est manqué. Dommage. Nixon au rebond qui lance la contre-attaque. Here's Nixon. Qui joue avec Livingston. Evans. Nixon tout seul à 3 points. C'est manqué. On prend notre 6ème rebond. Impeccable. La passe directe pour Webb. Qui va peut-être nous la remettre à l'intérieur. Oui, le dunk. Nothing has come easily for him today. Yeah, definitely not their best basketball. Et ça joue avec Livingston pour les Red Riders. Denman pour Nixon. Qui joue avec Evans. Evans qui a tenté le petit shoot. C'est manqué. 7ème rebond dans la boîte. La passe pour Webb qui tente de catch en shoot à 3 points. C'est manqué. Ça nous permet de prendre un rebond offensif et de marquer derrière. Impeccable. Allez, on a face à Nixon toujours. On va jouer avec Berry, Evans, Evans qui est froid. Livingston, Evans, Denton, pas Denton. Allez, ça temporise, ça temporise, ça trouve pas les solutions. Livingston qui manque. Et on prend un rebond à nouveau, le 9ème. Applicable, on passe direct à Webb.
Ouais, qui joue avec O'Connor, qui nous la donne. On va tenter le catch and shoot à 3 points. Ah, c'est manqué. On n'y arrive toujours pas, les 3 points. C'est pas grave. Mais on tente quand on a des ouvertures comme ça. Ça joue avec Evan. Evan Simpson. Et Winston qui rejoue avec Nixon. Nixon qui essaye d'attaquer le panier. Il joue avec Berry qui va devoir shooter. On va protéger le rebond. Bien joué. Le rebond de Nils qui nous la donne. On va pouvoir attaquer le panier. Et le dunk! Et nouveau temps mort demandé par le coach des Red Riders à 2-10 de la fin du premier quart-temps, 21-2 pour le moment. Alors nous on est à 14 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, une interception, une faute, et on va aller justement sur le banc. Et du coup on va avancer et on va rentrer pour le début du deuxième quart-temps. 29-6, les coéquipiers qui ont bien tenu. Allez, la première balle, on va attaquer le panier, on va tenter un tir forcé, ça rentre. On les écrase littéralement, les Red Riders. Allez, ça joue avec Mills. Neely qui joue avec Evans. Evans qui est toujours froid. Bien joué dans l'intérieur pour Neely. Belle action de Red Riders. Et ça repart pour nous avec, avec Lambert. Thompson. On va faire un écran. Ah, et il va trouver la faute de Butler. Impeccable. De lancer franc pour le coéquipier qui met le premier, impeccable. Allez, Ward. Ah, dommage. 1 sur 2 pour Hayward. La contre-attaque direct pour les Red Riders avec Butler et Mills. Ah, c'est manqué pour Mills, c'est le rebond de Harvey qui joue avec Thompson. Thompson qui va pouvoir y aller. Yes! Evans qui va tenter un long 3 points, c'est manqué. Okay, le rebond de Neely, non, le rebond de Thompson. Harvey qui dribble, qui joue avec Hayward. Lambert. La passe intérieure, on tente, ah, c'est manqué. Michigan State, a huge producer of NBA talent. Et l'interception sur Evans. On va passer à Hayward qui nous la redonne. Ah, ça dribble mal, mais ça rentre, c'est bien. Et c'était pas Hayward que j'aurais dû la faire la passe, mais bon, c'est pas grave. Et nouveau temps mort demandé par le coach des Red Riders à 7:45 de la fin du deuxième carton et je crois même du match. Enfin, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on mène 36-8. Ah, ou l'interception Moulin avant. Excusez pas, Moulin avant. Ah, c'est dans le scénario, ça. C'est magnifique. Ça nous permet de mettre 2 points assurés. Alors déjà quand les écrase et en plus dans le scénario il nous aide. Mills tout seul à 3 points, c'est manqué, le rebond de O'Connor. O'Connor qui va pouvoir attaquer, bien joué O'Connor. No defensive pressure at all, I mean that's not gonna get it done against him. Livingston outside, back to Mills.
Ah, ça trouve pas de solution, hein, les Red Raiders, avec Mills. Il joue avec Nixon. Il trouve à l'intérieur, bien joué, c'est manqué, et on prend le rebond, 10e rebond, et ça fait double-double. La passe pour O'Connor, qui ressort pour Mills, qui nous la donne. L'écran, on va pouvoir, non, on va passer à O'Connor. Hayward qui nous la redonne, on fait tourner. Règle des 3 secondes. Ah, coéquipier qui a oublié de sortir. Et c'est reparti pour les Red Riders avec Mills qui est froid. Toujours avec Nixon. Il rejoue avec Mills. Mills with it. La passe à l'Hoop qui a été interceptée par notre Mills. La contre-attaque, on va pouvoir attaquer le panier. Le dunk, 22 points dans la boîte. Et on n'a rien à plus. On est bien dans ce match. Nixon. On le presse, on le presse. Nixon qui a trouvé Barry. Here's Barry. Barry qui va essayer d'attaquer, c'est manqué, le rebond de notre Mills. La contre-attaque, la passe intérieure direct, ah c'est manqué, dommage. La contre-attaque était belle. Et j'ai raté la finition. Et le contre. Et derrière c'est la faute de Weber. Mais bonne défense, j'ai encore fait un contre et je vais avoir le takeover. Ah, on va aller sur le bon. Ah, du coup, j'aurai pas le takeover. Et on rentre à 2,48 de la fin du deuxième carton. 42-20. Oh là, ils sont revenus un peu. Ah, et c'est monté pour les adversaires. La longue passe. On va trouver Harvey. C'était chaud. Harvey, bien joué. Ah, ça comptera pas comme une passe décisive parce qu'il a fait des dribbles. Tant pis, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est marqué. Ah, ça joue pas les Red Raiders avec Nixon et Mills. Nixon, Butler. Mills, à nouveau. Neely, Nixon, Butler. Ça va devoir shooter. Detmond. Trouve Butler tout seul. À 3 points, c'est manqué. Et on prend notre 11e rebond. Et là, on a le takeover maintenant. Ça passe à Thompson. Thompson qui part en dribble, c'est magnifique. Et là ça compte en passe décisive, 4e passe décisive dans ce match. Ouais, la passe intérieure qui est interceptée par Harvey, qui joue avec Amber, qui nous la donne. On va pouvoir attaquer et on va trouver la faute de Butler. Ah, il a failli me contrer, hein. Allez, premier qui rentre, ça c'est bon. Ah, on rate le deuxième, dommage. Pourtant, il était mieux shooté que le premier. Oui, l'interception des coéquipiers. La passe intérieure va la donner à Weber, qui va dunker. 5e passe décisif. West qui joue avec Banks. Holland qui rejoue avec West et Banks. Ils sont toujours enfermés, ils n'arrivent toujours pas à trouver de solution. Ça va devoir shooter. Holland. Holland qui va prendre sa responsabilité de shoot, c'est manqué, 12e rebond dans la boîte. Et on va pouvoir passer la balle à O'Connor qui va la donner à Weber. Ah, ça ressort pour Castro qui nous la donne.
On va demander l'écran d'O'Connor. Et la passe à O'Connor qui dunk. Impeccable. Allez, encore une vingtaine de secondes. 51-20. Elle a vraiment pulvérisé. Banks qui va tenter. C'est manqué. Le rebond de Berry qui ressort avec Banks. West. Qui joue avec Holland. Je sais pas s'ils vont tenter de shooter parce qu'il reste plus grand chose. Ah, ils font juste tourner. Voilà. Et c'est terminé, il me semble. 51-20. On a pulvérisé nos adversaires. Ouais, c'est fini. A plus, 23 points, 12 rebonds, 6 passes décisives. J'ai fait 2 contre 1 ou 2 interceptions, une faute. Ah, on a fait un excellent match, ça commence bien. Allez, ça va nous faire 573 VC de gagner. Allez, ça nous permet de débloquer quelques équipes de NBA. Notamment les Cavaliers, les Magics et les Mavericks, si je me trompe pas. Junior, why did you dunk the ball like that? Saw an opportunity to make a big play. Hey, why did you dunk the ball like that? Felt like the right time to energize the team. All right, you're gonna have to make a decision about what type of player you're gonna be, how you're gonna represent yourself and this school. Would your dad have made that play? Listen, coach, if I stepped out of line and you don't want me to do it again, fine. I can make the adjustment. All right, Junior, I'm gonna tell you a story. All right, now I'm at my school. I'm bleeding our colors, but I lived on the bench. One particular game, everybody was in foul trouble, so I get tossed in. Now I'm thinking, good, it's my moment. I'm gonna give them the razzle-dazzle, behind-the-back pass, crossover, step back, I threw the kitchen sink at it. You showed out. Absolutely, I wanted to show that I belonged in the rotation and off the bench. We ended up winning by 2, so I'm thinking, I'm on cloud 9, life's complete. Why do I get the feeling that this story does not have a happy ending? Well, coach pulls me aside and he tells me I'm back on the bench. He says we should have won by 10, but I made the game about myself, my ego. Every time I wanted to do something special or fancy, we dropped possessions. I was mad. He was wrong. But then I saw the tape. You know what happens next, or you're just tired of listening to me talk? I'm not because I'm listening. Look, Junior. Win or lose, play the game the right way. Now, if you think that dunk was the right play, that's fine, but you're gonna have to live with that. And there may be some unintended consequences. You got me? Gotcha, coach. All right. Ouais, c'est bon, attends. Pas parce qu'on a fait un dunk, quoi. C'est bon, le reste du match, on a roulé sur l'adversaire. Smile, huh? Hey, don't worry about that. Hey, thank you for bringing me here. This place is amazing. I come here every Monday when Madison's playing. So easy to get one-dimensional with like everything that we do, like training and film sessions and travel. And I just want to see so much that's out of that bubble. You know, like I have to. Yeah. Well, I haven't found that thing yet. No. Why not? That is a great question, especially because it's so direct. Well, that's what college is for, right? Figuring out who you are, and you're exposed to so much, just if you're open to it. Like, all of this, this makes me so good at soccer in the long run. Like, at least I like to think it does. And you play for the Canadian national team, too? I'm an alternate right now. But yeah, every time I get in line and they sing, "Oh Canada," I get chills. Like I can't wait. School lets me take assignments on the road as a special arrangement. If my memory serves me correct, you said basketball players get the treatment. Yeah, that's what you said, right? Yes.
basketball? Yeah, I did. Okay, just checking. Okay. But you know what I'm saying, right? Right? Yeah, I do. Everywhere I go, people are asking me about the games, win or lose. Especially lose. Yeah. Expectations are high. Yeah, I get it. The fans, they take everything so personal. Yeah, it's hard to filter out all that noise. Yeah, I struggle with it sometimes. Being good at this, it's a responsibility, man. Yeah, it's just all going by so fast. And I just want to appreciate this moment. So thank you very much. Thank you, too. Ok, on va partir tout de suite pour un autre match. On n'a pas débloqué d'un signe. Si, on en a une. Alors, on va améliorer finisseur régulier déjà. Ouais, je pense que je vais faire ça, à moins que... Skipping through the town, you gon' need a pass. Back out on the scene, my whole team elite. Poppy Turner squip. Woke up and they still tryna be me. I sold them the drip with the slip, I got the receipt. Whoa, pretty than Givenchy. On her baby car seat. She don't need makeup on the wake up, she a Barbie. Now run, tell you this what Poppy Rojo taught me. Bow. Ah, va plutôt prendre Acrobat. Any disrespect and I'm on that. Never fall off, I just fall back. Never fall off, I just fall back. Mais c'est bon, on va prendre plutôt l'insigne Acrobat avec. Pour l'instant, le reste on peut pas. Never fall off, I just fall back. Never fall off, I just fall back. Got 100 missed calls. Au niveau des BC, on en a 646, donc c'est pas énorme encore. Ah, on va les garder. On va continuer à engendrer des BC. Et on va partir tout de suite pour le deuxième match qui me semble est contre les Mountaineers. Yes! She's one of the top national college basketball influencers and she's blowing up with her dope blunt podcast and video channels. You gotta take it seriously. Because them NBA draft heads definitely do. All right, I'll check out. No. You gonna do it now because she's all over you. Right here, she singled you out and issued a challenge. Throw down. And she even hit me on my socials to make sure you got it. Let me see her. Ah ouais, d'accord, okay. Il y a une journaliste qui nous met un défi, il faut qu'on marque au moins 20 points. I'm sure she'll hype you on the show. Okay, and if I don't? She'll bury you. I seen it happen before, stone cold ruthless. Alright, fine. She wants to go, we can go. Mm. I ain't never been afraid of no challenge. Ouais, on va essayer, hein. C'est pas dit qu'on va y arriver, mais bon. Au pire, de toute façon, on verra ce qui va se passer par la suite. Parce qu'ils ont prévu deux choses bien distinctes au niveau du scénario. Si on rate le défi de la journaliste de mettre au moins 20 points et de remporter le match. Here with Greg Anthony and Clark Kellogg, I'm Forrest Hunt. Looking forward to a hard-fought contest in this one. Well, you know, that's the beauty of college. Allez, c'est parti pour le match contre les Mountaineers. On est sur leur terrain. Allez, ça commence avec un écran et les deux premiers points du coéquipier. On va essayer de mettre 20 points, mais on va voir en fonction de comment se déroule le match aussi. Parce que si on a des opportunités de faire des passes décisives, en tout cas, on commence avec une interception.
On va pouvoir passer à Thompson. Première passe décisive. Ah, comme je disais, hein, si on peut avoir aussi beaucoup de passes décisives, d'interceptions, de rebonds, de contre, on peut avoir des stats complètes, même si on ne marque pas les 20 points, ce ne sera pas très grave. Faut qu'on pense à jouer aussi collectif et pas personnel. Il s'est manqué le rebond de Thompson. Thompson à 3 points, magnifique! Ah, c'est lui qui veut relever le défi, Thompson. Il veut nous voler la vedette. Et il a bien raison. Ah, c'est manqué. Le premier rebond. La passe intérieure pour Thompson qui va trouver la faute de Stephenson. Hey, pour l'instant, ça fait 9-0 dans ce début de match. On n'a pas marqué un point, mais c'est pas grave. Les coéquipiers qui sont bien présents offensivement. Hey, c'est manqué. Le rebond de Harvey qui joue avec Hayward. Several strong seasons in a row. They were right in line for a high seed. Lambert, bien joué. Lambert, good. And you know what? They've been on a nice run here. Have the ability to widen the gap. Now they are rolling. Eh, premier temps mort déjà demandé par le coach des Mountaineers. Et pour l'instant, ça fait 11-0 à 7 minutes 50 de la fin du premier carton, de la mi-temps même, puisque c'est au niveau du lycée, c'est deux mi-temps de 10 minutes. Allez, ça joue avec West. West with it. He's against Thompson. Pass to Harden. Harden qui dribble, qui trouve Stephenson, c'est manqué le rebond de Lambert, Thompson, qui joue avec Hayward, Hayward qui va y aller, bien joué. Displaying intensity right off the opening tip, especially on the offensive end. Tell you what, forget about easing into the game, they came out with guns blazing. Avec sa patience pour Harding qui cherche une solution, qui joue avec West, et l'interception des coéquipiers avec Hayward qui va tenter un shoot et ça rentre. Ils sont chauds les coéquipiers. J'ai même pas besoin d'attaquer offensivement, ils font tout ça. Allez, ça fait tourner le ballon avec Pearson. Pearson qui joue avec Stephenson. À 3 points, c'est manqué. Deuxième rebond. On va pouvoir attaquer peut-être. Non. On va passer à Thompson à 3 points. Yes, my man. C'est bon ça. Ils sont bien chauds là. Eh, nouveau temps mort demandé par le coach des Mountaineers. 18-0 à 6 minutes 11 de la mi-temps. Bah, c'est bien parti. Hein. Et nous, pour l'instant, on n'a pas marqué un point. Hein. Et c'est pas grave. Stephenson joue avec Tavares. White. Avec Pearson. Personne qui cherche une solution, mais il n'y a personne. Il trouve quand même White à 3 points. C'est monté. Troisième rebond. La contre-attaque. On a passé à Hayward qui va pouvoir y aller. Yes. Troisième passe décisive.
Pour l'instant, on marque pas, mais on est là collectivement. Stephenson, et ça rentre, les deux premiers points pour les Mountaineers. Ah, est-ce que nous aussi on va mettre nos deux premiers points à un moment donné? Ça, faudrait que j'attaque le panier. Allez, peut-être là, on va demander un écran. Et on va trouver la faute de Hernandez. Ah, peut-être nos premiers points sur lancer franc. Ouais, le premier c'est bon. Et le deuxième aussi, nickel. Les deux premiers points. Il en manque plus de 18 pour le défi de la journaliste. Allez, pour l'instant, les Mountaineers qui font tourner, qui cherchent une solution avec Hernandez, qui trouve bien Paul. Et ce sera la faute de Weber. Et qui est pas loin de le bâcher. Voilà, toute l'équipe qui a changé de notre côté. Donc on doit être sur le bon. Même pas. Non, j'ai pas vu, ils ont peut-être mis une autre position. Et on va pouvoir attaquer le panier. Oh, on s'est fait contrer. Aïe, aïe, aïe. Première mauvaise chose dans ce match. Et on a laissé la défense. Ouais, c'est bon. On a bien harcelé le défenseur. Et on a contré. Une petite revanche. Là, le shoot, c'est manqué. Le rebond de Lambert. Yes, bien joué. Some strength in the paint today. Their work on the boards has been impressive. Guys, that's putting it mildly. I mean, they've been absolutely. Hey, Weaver. Dominant. Weaver tente des dribbles renversés. Ah, passe déviée, dommage. Dommage qu'on l'ait pas attrapé, ça aurait pu faire une interception. Ah, ça trouve pas de solution pour l'instant. Weaver. Il va profiter de l'écran pour prendre la shoot. C'est manqué, le rebond de Lambert. Hayward. Ah, le mauvais appel de balle. Du coup, l'interception pour les autres. Ça joue avec Weaver. Oh, qui m'a bien feinté. Bien joué. Et on va demander l'écran. On va pouvoir attaquer. On va forcer. C'est manqué. Le rebond de Lambert. Bien joué. Il va falloir qu'on essaye de passer à la vitesse supérieure quand même personnellement pour marquer des points là, parce que pour l'instant en limitant que deux points on est mal barré hein. Du moins pour le défi de la journaliste. La passe, non, c'est pas comme ça que je te l'ai demandé. Pourquoi t'as voulu faire une passe en alley-oop au connard? Et on arrive à la fin de la mi-temps. Une vingtaine de secondes encore. Et ça joue avec Stephenson. West. Harden. Ouais, Harden qui se fait bâcher, mais il récupère déjà. Qui récupère le ballon derrière. Personne, ça va tenter. Brent, ça va shooter, c'est obligé. Allez, c'est manqué. Et c'est la mi-temps. 37 à 16 contre les Mountaineers. Ouais, plus 18 quand on est sur le terrain, donc on apporte quand même notre pierre à l'édifice, mais niveau points, on en a mis que 2, c'est pas énorme. On a fait aussi 3 rebonds et 3 passes décisives, je crois, un truc comme ça. Ouais, 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre. C'est pas des grosses stats, hein, enfin un peu dispersé là, mais c'est pas énorme. Alors vraiment quand on met un petit coup d'accélérateur au niveau des stats là,
et qu'on engendre déjà des points. Ouais, une interception, ça commence bien. La passe directe pour Lambert qui va pouvoir finir avec un dunk. Ouais, ça nous permet de faire une deuxième interception et une quatrième passe décisive. Now it's time for him to write his own name in Newark lore. À défaut de marquer. Pass to Harden. Allez, ça temporise. Ça joue personne. West. Now here's West. West, c'est pressé. Ben, West, bien joué, ça tombe bien. C'est manqué. Le rebond de Harvey. Il a joué avec Thompson qui nous la passe, on va tenter, c'est manqué. Et on va faire notre première faute. Ah, offensivement, on n'y est pas là pour l'instant. Et puis le temps passe, et deuxième faute d'affilée, en tentant des interceptions. Et plus le temps passe, plus on va se mettre la pression pour atteindre les 20 points de la journaliste. Et en même temps, j'ai pas envie de les atteindre les 20 points. Que j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, ce qu'elle peut nous dire, voir si elle va nous démonter ou pas. Ouh, joli le shoot à 3 points de Thompson. Il nous a fait bang bang. Tac, c'est manqué le rebond de Harvey. Il nous donne le ballon. Not just in hoops, un petit dribble. On n'a pas l'habitude d'en faire, mais c'est pas grave. Ah, elle a encore manqué. Bah, je rate toutes mes actions offensives. Pearson, he's guarded by Hayward. Back to West. West. Pearson. Ouais, bien joué le dribble. Et Pearson qui va tenter un petit shoot et qui marque. Super mouvement et superbe action de Pearson. Parti avec un dribble ballon dos. Hey, ça rentre, les coéquipiers qui sont chauds. Nouveau temps mort demandé par le coach de Montaigne. À 7:47 de la fin du match, 44-18. Bah, Victor devrait pas échapper. Et on va rentrer à 5 minutes 3 de la fin du match, 51-30, c'est un peu revenu. Et on se retrouve avec Mills au lancer franc. 52-30. Là, on était allé faire un tour sur le bon. Ouais, c'est manqué, le rebond de Lambert. One thing that makes these games so compelling is the influx of new playstyles. Some of these players could be the prototype of what's to come for the NBA. Il va nous la donner. On va demander l'écran. On va essayer d'attaquer. Et encore manqué. Offensivement, on met une bille dans ce match. Allez, ça change du match d'avant où on a fini avec une vingtaine de points. Oui, interception. Non, ah, dommage. J'étais pas loin. C'était pas loin, j'avais arraché la balle, mais derrière j'ai pas réussi à la récupérer. Ah, j'arrive pas à me démarquer comme je veux à l'intérieur. Ah, peut-être qu'avec un écran, non. Il se laisse pas prendre. Ouais, attention, les dribbles sont pas trop bons encore. Ward, Mills, presque 10 secondes, ça va devoir shooter. Il va nous la donner, on va prendre la responsabilité. Yes! Enfin! Bah, ça nous fait une note de A pour le moment, c'est pas mal. Et avec les paniers qu'on a ratés, on aurait pu avoir plus. Ouais, l'interception peut-être. Ah, dommage! J'ai arraché la balle, mais derrière, personne qui a pu la récupérer. Ouais, troisième faute. Ah, c'est dommage, il aurait récupéré la balle, j'étais déjà parti en attaque pour essayer de marquer deux points, quoi, simplement. Ah, ça aurait pu être bien, quoi. Ça aurait fait une quatrième interception, je crois.
Absolutely. For a lot of these teams, coach is kind of the de facto star. And given how rapidly the lineup on attaque, on shoot à l'arrache. C'est encore manqué. On n'arrivera pas aux 20 points. Du défi de la journaliste, c'est sûr. Mais c'est pas grave, du coup, on verra bien si elle va nous démonter ou pas. Quoi. Ça peut être marrant d'ailleurs, si elle nous démonte qu'un jour on la rencontre. Weaver se rattrape un, c'est manqué. Alors qui a temporisé, la passe qui était limite, on va attaquer et on va trouver la faute de Brand. Deux lancers francs, peut-être une opportunité d'arriver à 6 points. Ah, dommage, 1 sur 2. Allez, un contre-attaque avec Brand. Et c'est stoppé. Allez, Montagnard qui essaye de trouver une solution avec West à 3 points, c'est manqué, le rebond de Lambert, il doit faire un sacré match avec l'équipe, hein, niveau défensif et offensif. On va passer à Harvey, yes, 5ème passe décisive. Et là, défaut de marquer, hein. J'aurais pu y aller, mais bon, ça aurait fait un tir forcé, c'est pas sûr que je le mette. Au moins j'ai assuré en faisant une passe décisive. L'important c'est quand même la victoire collective. Oh, il était passé mais il est rentré dans Hayward et il va quand même avoir la faute. Ah, il rate le premier, c'est dommage pour lui. Ça joue avec l'anneau. Et on va se retrouver sur le banc. Et ben, ça va être même la fin du match. Donc victoire 59-42. On n'aura pas réalisé le défi de la journaliste de marquer au moins 20 points puisqu'on a marqué 5 seulement. Et c'est pas grave, hein, on a quand même fait 5 passes décisives, pris 3 rebonds, je crois 2 ou 3 interceptions, 2 ou 3 fautes également. On a fait un match correct, hein, on a eu une note de A. Ça va nous faire 488 ici de plus. Alors on va voir ce que ça va donner. Et on débloque quand même quelques équipes NBA. On a eu les Grizzlies, les Heat, les Kings et les Pacers. Both can be true, Junior. I'm not saying it's a bad thing, but I'm about the team. That's my mentality, always has been, always will be. Alex Williams or no Alex. Yeah, and I hear that, but look, at this level and the next level, the media is going to overanalyze every move we make on and off the court, and it's affecting the team because they're hearing it and they're reading it. Mm-hmm. If Alex Williams is burying you, then we all dealing with it. But look, your draft stock will rise. You'll see. I ain't mad at that. As long as we keep winning, everything else will take care of itself. Ah, pas sûr, hein, parce qu'on n'a pas marqué les 20 points, donc ça se trouve on va se faire démonter, hein. En tout cas notre cote a l'air d'augmenter pour la draft. What's up, Julian? Good to see you. You too, Archer. Man, I gotta walk. So look, I'll get right to the point. I know what happened between Coach Bishop and I is still eating at you. Yeah, it didn't sit right. I thought one of everything to work out between us, but Coach Bishop don't trust you. He just wants what's best for me. Hey, so do I. Yeah. But you still want to get paid if I make it to the NBA, which is fair. You know, I got you here. You did? And you had your choice of schools. I never tried to nudge you either way. That's right. I was surviving before we met, Junior, and I'd still be surviving if you decided to never play basketball. Look, Art, you got me here. And I love this place and what I'm trying to accomplish for this school, but things can change if I don't feel like they're working out. I just want that to be clear. Okay. We don't have a contract. That's clear. All I can
can do is keep trying to earn your trust. Okay. So, you ready to see what the inside word on your draft stock is? Definitely. All right, so look, I gathered all my intel into one place for you to take a look at, but it can update as the season goes. Ah, on sera en position 24 pour l'instant dans le premier tour. Ah, le premier, c'est Hendrix Cobb, exact, évidemment. À nous, faut qu'on se base surtout sur les ailiers, comme Hendrix Cobb, voilà quoi. Okay, so what's this all supposed to mean right now? Nothing yet, but it'll all shape up as we get closer to the end of the season. Just keep winning, keep your numbers up, and your stock will rise. Okay, if we're losing and I'm not producing at the end of the fall. I mean, I was gonna say it's not that simple, but it kinda is. Ah, évidemment. Alright. Plus t'es bon, plus tu montes. Moins t'es bon, plus tu disparais. Quoi. Later, Arch. Logique. Pardon me. Thank you. Can I help you? You're junior, right? Yeah, that's right. I'm Alex Williams. Nice to meet you. Nice to meet you. How'd you get on the bus? How did I get on the bus? Yeah. You'd be surprised by how many people think press pass means all access. Can I say what a pleasure it is to meet Mr. Big Time Professor Dunk himself? I'm just wondering whether I should call you a selfish layer, a chemistry risk, or, you know, tell the truth and let everyone know you did it for a girl. Who told you that? I never reveal my sources. But his name rhymes with Ted. Yeah, but c'est l'autre, c'est Red Thompson, c'est le coéquipier. Listen, these other players that you cover, they don't get the same, let's just call it attention. Attention. Yeah, attention. Yeah. So what's the deal with that? What's the deal? Well, I get it. It may seem cruel or, you know, arbitrary, but it's the opposite. I love the potential of who you are and what your game is all about. At times, it can be inspiring. Okay, and at other times? At other times, not so much, but you're growing and developing, and this is my way of helping you reach your potential. So why can't you just say that in an article? What's with all these games? Because I'm building a profile, too. And games, conflict, that gets eyeballs and clicks. And what if you don't develop? I write a cuddly piece about you, and then what? NBA decision makers pay attention to what I say. I've built a career on honest, unmerciful critiques, and I'm not backing down from that now. Look, the stakes are impossible at this level, Junior. You know that. And even worse when you get to the next level. You might as well prepare for it now. Everyone knows c'est plutôt cool ce qu'elle nous dit, en fait. It's a long shadow that follows you around. That funny? It is, because it's an angle. Trust me, I get where you're coming from. But the media is a lot more twisted about the legacy of Duke than I am. Am I supposed to take that at face value? I'm assuming you got another challenge for me. Yeah, I do. Two games, first and foremost. I'm all about winners, so win the games. Secondly, everyone wants to see you develop as a scorer. So bump your scoring average up from where it is now. What do you say? Challenge accepted. Challenge accepted. Nice. Something about you. Professor Dunk. Mr. Big Time. Ah, il y avait des parties, c'était assez cool de ce qu'elle nous a dit, et d'autres, tu te rends compte bien que les médias, c'est quand même des gros enfoirés, quoi, qui veulent juste faire du clic, quoi. C'est des vrais putaclic, les journalistes. Mais bon, en même temps, c'est leur métier, c'est la société dans laquelle on vit qui veut ça, donc... ils n'ont pas trop le choix, ils doivent s'adapter s'ils veulent entre
entre guillemets, survivre un peu comme tout le monde, quoi. Alors, du coup, on a 1134 points d'ici, on va regarder ce qu'on peut faire. Et ensuite, on s'arrêtera là pour cette vidéo après ces deux matchs remportés facilement, avec un match où on a marqué beaucoup de points et a fait un double double. Et un autre match où on a été plus discret, mais efficace, un peu efficace dans plusieurs domaines. On va faire ça comme ça, voilà. Ok. Du coup, moi, je m'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure sur MDTK 21. Salut à tous!